Là, je suis en train de transvaser mes essaims. Donc là, je vous fais voir, c'est vraiment le plus beau que j'ai trouvé jusqu'à présent, quoi. C'est vraiment le plus beau. Vu de l'extérieur, parce que je n'ai même pas regardé dedans, mais c'est vraiment, vraiment joli. Alors là, bon, je suis avec le téléphone, donc ça ne va pas être possible. C'est vraiment galère. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je répartis un peu les codes de preuve et puis je remets deux gaufres, une partition et un code bâti. Voilà, donc là j'ai le code bâti là, deux gaufres, une partition ici. Hein. Donc je crois que je fais voir une vidéo sur laquelle je les monte. Voilà. Donc ça c'est pas pondu. Vraiment cette année ils sont. Bon j'hiverne dans l'Ain, hein. C'est pas dans le sud, mais vraiment ils sont pas énormes du tout les essaims cette année. C'est vraiment pas en avance. Quand il y a 3-4 de couvain, c'est joli. Ça. Ça c'est. Il y a du le couvain est là. C'est pas évident, on sait pas arriver à voir dans une cellule avec un appareil photo, avec un téléphone, c'est pas évident. Enfin bon, voilà, hop. Donc ne jamais mettre une gaufre en plein milieu du couvain. Hein, ça fait partition, surtout à ces époques où il gèle encore les matins. C'est le meilleur moyen pour faire abandonner une partie du couvain. Hein. D'accord, donc surtout ne mettez jamais de gaufre en plein milieu du couvain. Ça c'est des conneries de. Putain, elle est là, là. Vous la voyez là, la bête. Bon. Donc ça c'est des bucs ou de la TH que j'achète chez Altigo. Les ruchers du Tigou. Trouver ça sur le net. Ils font des super arènes qui font des super essaims et puis qui sont pas très essaimeuses. Voilà, donc ça c'est le troisième code de couvain. Je pense qu'après il n'y en a plus. Non, voilà, donc là on voit c'est le pollen. Donc elles n'ont pas commencé non plus à pondre à travers le pollen. On voit encore pas de varroa phorétique non plus. Je dis pas que j'en ai jamais vu, hein, j'en ai déjà vu un cette année. Mais donc alors là, avec une main ça peut être facile. J'ai donc rabattu la gaufre contre le couvain et je remets le code de pollen après la gaufre. Voilà. Donc comme ça mon essaim est transvasé. Là je vais mettre un nourrisseur. Donc voilà, je mets le nourrisseur dans lequel je vais mettre du sirop pour les stimuler. Et puis voilà, ça c'est fait. À bientôt.